Ah, Eivor, regarde-moi. Membre du conseil de guerre de Flann. Pas mal pour un viking, non? Tu as gagné sa confiance? Je n'irai pas jusque-là, non. Il se méfie un peu de moi. Mais il a besoin de mon armée, alors disons qu'il se pince le nez. Il y a de quoi, après tout. Ça pue, un viking. Mon roi? Nous sommes prêts à porter un grand coup à Aelak. Mais nos ennemis sont alertés, et seront alors plus nombreux. Le château de Cachelor sépare l'Ulster du Connacht. Sa prise les isolerait l'un de l'autre. Cachelor est le tremplin vers l'ensemble du Nord. C'est un fort imposant sur une colline pentue. Nous devons le prendre. Cependant, par sa situation même, sa prise nous coûtera cher, Seigneur. Les pertes sont un prix à payer. La victoire en ralliera bien d'autres à notre cause. Prends garde, roi, à ce que ton ambition n'étouffe pas ta raison. Que conseillerais-tu, Eivor? La ruse avant le courage. Faisons entrer un espion qui brisera les serrures des portes. Ensuite, nos soldats attaqueront. Cela est digne d'être tenté. Tu sembles avoir un penchant pour cette idée, Eivor. Je te désigne comme espion. Eivor? Le défi me plaît. Nous avons une éclaireuse près du château. Elle pourra peut-être t'aider. Vois-tu, Sinin? Ces défenses pourraient résister aux dieux. Ouais, ça me paraît chaud là. Avec une éclaireuse effectivement qui est juste là. Hey, tu es l'éclaireuse de Flann? Tu prends des risques à poser ce genre de questions ici. Oui, c'est moi. Comment puis-je entrer dans le château? Seul? Tu peux essayer d'escalader les murs, mais en petit nombre, ce serait bien téméraire. Y a-t-il un moyen d'entrer sans être vu? Il doit exister un chemin en dessous. Des gens ont renforcé les murailles. Un viking rusé pourrait se servir de ses outils pour trouver un passage. C'est moi, ce viking. Quel? Un passage en dessous. Montre-moi ces terres, mon ami. Pour moi, ce serait par là.
Je suis sûr que c'est par là, parce que j'ai pas l'impression d'y arriver, quoi. Ouais. Que cette contrée est verte. Ouais, ça envoie du lourd quand même, hein. À ouvrir la porte pour Flan et son armée. Chaud là, j'ai eu chaud. Que je vais ouvrir le feu. Bien joué, Eivor. Nous allons prendre Cachelor. Attention! J'espère bien, putain! Allez, hop! Ça crame de partout là. En avant, à ton côté, mon roi. C'est une explosion ou quoi? Lui. Ok. Faisons saigner cet enfant de troll. Eivor, aide-moi à ouvrir ça. Putain, fais chier lui. Attendez, est-ce que c'est un peu chaud là?
Non, pardon, excuse-moi. Ah, avec moi, lui. Ok. Sur le côté. En avant, et moi. Allez. Attends, est-ce que du coup il y en a encore en haut là? Là-bas. Enfin, elle est où elle? Il faut que je trouve une sortie là quand même. Voilà. Magnifique. Strange, à une bataille bien menée et au sang versé. À l'Irlande. Skål. Ah, une autre coupe, mon roi? Où est notre poétesse de cour? Ceci mérite un chant. Eivor, il est crucial que tu ailles lui parler. Kiara? Elle est ici? Je l'ai accueillie, oui. Elle bâtira ma gloire dans toute l'Irlande. Son chant sera repris dans tous les villages et les hameaux. Et toi, Eivor, de ton regard acéré, tu pourras lui donner les détails de ma bravoure, du courage de mes soldats, qu'elle en compose une ballade. Je lui transmettrai ton message, roi courageux. Barid, tu as mérité une autre coupe. Et toi aussi. Reviens boire avant que la nuit ne laisse sa place au matin. Oh, alors il est venu à toi. Des yeux brillants comme ceux d'un démon. Oh oui, c'est vrai. Je l'ai vu. Déploie tes ailes, Sinine. Ok, alors. Vous êtes sur la tour. Tu chantes avec ferveur. C'est le triste chant de Liafol, la vieille pierre que tu as vue lors du couronnement. La pierre, elle a semblé... Enfin... Selon la légende, cette pierre apporte le malheur. Mais le chant dit que si l'Irlande est en danger, la pierre déclenchera une tempête de merveilles. Et d'où ce chant tient-il un tel savoir? Je n'en sais rien, mais ma mère le chantait elle aussi. Et sa mère avant elle, sa grand-mère, et ainsi de suite. Jusqu'à la toute première femme de cette île. Le son des mots lui-même me relie à mes ancêtres et à cette terre fertile. Tu as de la chance. Moi, j'ai laissé ma contrée derrière moi. Il n'est pas besoin de partir pour sentir la terre changer sous ses pieds. C'est pourquoi je suis liée à cette cour, comme une chèvre savante. Tu peux, j'imagine, la quitter quand bon te semble. Je peux, oui. Et je le ferai. Mais pas avant que Flann ne règne sur l'Irlande. C'est vraiment un si grand homme? Il a compris que régner, c'est être le roi de tous.
Je suis païenne, mais il m'a faite poétesse de cour. Il respecte les usages du passé. J'admire ta passion. Je t'en remercie. Tout le monde n'est pas aussi admiratif. Tu as l'air d'avoir choisi un cap et de t'y tenir. Je viens d'un lieu reculé. Nous y vivons comme autrefois. Les chrétiens s'inquiètent du monde à venir. Nous, nous vivons dans celui d'aujourd'hui. Ah, j'ai failli oublier. Flan te rappelle de commencer sa balade. Il n'a pas à s'en faire. Je n'oublie pas ma fonction. Si elle est aussi glorieuse que ce chant était beau, elle rapportera à Flan de nombreux partisans. Bonne nuit, Eivor. Nous nous reverrons demain matin. Slan. Bonne nuit, Kara. Belle matinée. Ah, Varid m'avait demandé de retourner le voir hier soir. Je dois aller m'excuser. Eivor. Bien. L'armée a été empoisonnée. Maudit soit Loki. Parle, fils de chêne. Qui ? C'est lui, mon roi. Tu accuses Barid ? C'est lui qui m'a donné le poison, avec cette pièce d'argent. Le roi de Dublin. Mon roi, je... Seuls les Irlandais sont malades. Des Danois sont en pleine forme. Seigneur. Des paroles flatteuses. Mais des présents humant le vinaigre et le fiel. Seigneur, tu sais qu'il ne peut pas en être ainsi. Les Danois méprisent le poison, et Barid n'a rien d'un fourbe. C'était lui, mon roi. Il m'a dit, empoisonne ces maudits Irlandais. Je le jure, il a menacé de me tuer. Silence. Qu'on emmène cet homme. Non, 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 je n'ai rien fait. Kara, si je t'ai choisi auprès de moi, c'est parce que tu vois clair. Mais je ne peux faire confiance à ce Danois de Dublin. Mon roi, je t'ai loyalement servi. Écoute-le, seigneur. Silence, j'ai dit. La loyauté des Danois est volage. Ah. Barid, tu resteras dans ce château que je réfléchisse à ton sort. Je dois prendre soin de mes soldats. Mon roi, tu le sais. J'ai une amie capable de presque tout guérir. Ah. Quelqu'un de ton ordre de païens a logé dans la forêt ? Laisse-moi aller la voir. Elle trouvera un remède. Allez, va. Emmène un soldat qui te protégera. C'est toi que je choisis. Retrouve-moi à l'écurie, près de la grande porte. Barid, tu peux t'estimer heureux d'avoir encore la tête sur les épaules. Je sais. Et par les dieux, je le suis. Viens, allons trouver mon ami Derdré. Qui est cette guérisseuse ? Une druidesse, très sage malgré son jeune âge. Es-tu prêt ? J'ai hâte de la rencontrer. Pauvre Barid, je suis déçu que Flan ait accordé foi à cette accusation. L'empoisonnement avait deux fonctions, nuire à notre armée et désigner Barid comme coupable. Mais qui l'a ordonné ? Les soldats crachaient du sang. Ce doit être le poison employé par les enfants de Danu, une secte druidique. Où sont-ils ? Lorsque les chrétiens sont arrivés, brandissant fer et feu, quelques druides se sont unis. Et tous ont juré d'éliminer les chrétiens. Ils ont choisi la voie du meurtre et celle du saccage. Beaucoup décident de vivre cachés, et cela parmi les villageois.
Qu'en est-il de Derdre et des druides comme elle? Les vrais druides s'opposent à ceux de Danu. Mais ils sont éparpillés, désunis. C'est pour cela que je tiens tant à aider Flann à accéder au trône en tant que roi de l'Irlande. Il nous débarrassera des enfants de Danu, ce qui laissera la place aux vrais druides. Dis-moi un peu plus sur ton ami. Je connais Derdre, la druidesse, depuis des années. Nous avons étudié ensemble. Tu as été druidesse ? Oui. Il y a beaucoup de païens et de druides qui vivent isolés dans les forêts de toute l'Irlande. Par ici. Traversons la rivière. Cette région est déroutante. Je ne suis pas sûre du chemin. Va voir. J'ai vu des pierres uniques. Bah oui, ça paraît là-bas, c'est logique. Montre-moi. Ouais, c'est là. La cabane de Derdre. Eivor, elle est druidesse, donc un peu... excentrique. Oui, c'est ça, voilà. Excentrique. Kiara, es-tu enfin prête à retourner chez toi, aux joies de la forêt? Derdre, voici mon ami Eivor. À mon grand regret, nous venons te demander ton aide. Hélas, j'avais espéré que les augures s'étaient trompés. Les enfants de Danu. Oui, l'armée de Flann crache du sang. Tu sais ce que cela suppose. J'espérais qu'il y aurait un autre moyen. De quoi est-ce que vous parlez? Les enfants de Danu confectionnent ce poison, mais détiennent aussi la clé de son remède. De l'ambre provenant de la sève d'un vieil arbre sacré à leurs yeux. Chaque enfant de Danu a sur lui un fragment de cette ambre. Si l'on trempe cette ambre dans le sang de son propriétaire, le pouvoir contenu est alors libéré. Voilà une requête bien sinistre. Comment vais-je trouver ces druides maléfiques? Un de nos amis a tenté de découvrir l'identité adoptée par les Danu. Il espérait trouver celui appelé le Roi Tlay. Puis cet ami a été tué. Les Danu sont véritablement dangereux. Tu trouveras quelque chose dans sa maison abandonnée. Elle est au nord, près du comptoir marchand de Port-Oli et de l'embouchure de la Balissadir. Je trouverai ce Roi Tlay et éclabousserai l'ambre de son sang. Je reviendrai la tâche accomplie. Je prie pour que les esprits te guident. Que sais-je sur cet enfant de Danu ?